Dans un entretien avec Dr Oufouefete Rebecca, présidente du conseil de gestion de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, OIPI. Entretien avec Dr Oufouefete Rebecca, présidente de l'ADIP, cérémonie invitée pour la circonstance par l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, UJOCSI, procédera ce mercredi 25 mai 2022 à l'investiture de son bureau exécutif. Après son assemblée générale élective tenue le samedi 11 décembre 2021. Cette cérémonie qui se tiendra à la maison de la presse d'Abidjan Plateau. Mon intérêt pour tout ce qui touche la chose culturelle n'est un secret pour personne. Madame la Présidente, vous présidez la cérémonie d'investiture du bureau exécutif de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, UJOCSI, le mercredi 25 mai 2022. Qu'est-ce qui vous a motivé à accepter cette sollicitation? Mon intérêt pour tout ce qui touche la chose culturelle n'est un secret pour personne. Quand j'étais directrice générale du Centre des œuvres universitaires, CROU, de Bouaké, j'ai fait créer sur le campus un orchestre, une troupe de théâtre, un groupe de pom-pom girls à l'américaine, etc. Lire aussi mode et entrepreneuriat féminin, les journalistes culturels reçoivent Fadilatou Damala aujourd'hui encore, je continue de soutenir les artistes et les journalistes culturels selon mes possibilités, c'est un long bail entre nous et je serai toujours présente quand vous aurez besoin de moi. Il est vrai que vous présiderez leur cérémonie, mais dites-nous s'il vous plaît, quelle est votre opinion du métier de journaliste culturel? Je pense que les journalistes culturels font déjà un travail remarquable, je les en félicite d'ailleurs. Mais ce que je peux leur dire, c'est de mettre plus en exergue la culture du terroir. Madame la Présidente, dites-nous, en quelques mots, ce qu'est l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle afin de lever l'équivoque chez bien d'Ivoiriens qui n'en savent pas grand-chose. L'Office ivoirien de la propriété intellectuelle est un établissement public à caractère administratif créé par décret numéro 2005-112 du 24 février 2005 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif, EPA, dénommé Office ivoirien de la propriété intellectuel, l'OIPI, avec pour objectif entre autres, promouvoir et gérer les activités nationales de propriété intellectuelle en liaison avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, ainsi qu'avec tout organisme susceptible d'apporter une assistance à la Côte d'Ivoire en la matière, protéger tous les titres de propriété industrielle tels que définis par l'accord de Bangui. Les journalistes culturels font déjà un travail remarquable, je les en félicite d'ailleurs. Mais ce que je peux leur dire, c'est de mettre plus en exergue la culture du terroir. Qui peut donc recourir au service de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle que vous présidez? Tous les créateurs d'entreprises, les opérateurs économiques, les artisans, personnes physiques et morales, les inventeurs et les chercheurs, les organisations de producteurs. Toute personne désireuse de protéger les œuvres de l'esprit, des mains. Lire aussi Fête des Mères, les mamans de l'UJOCSI honorées par le président de l'Union puisque vous présidez la cérémonie d'investiture du bureau exécutif de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, dites-nous s'il vous plaît, les productions journalistiques des journalistes culturels peuvent-elles être protégées à l'OIPI? D'une manière générale, les productions journalistiques sont protégées par les droits d'auteur. Conformément à la loi numéro 2016-555 du 26 juillet 2016 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, cette protection ne requiert pas de formalité d'enregistrement, c'est pourquoi l'OIPI n'est pas sollicité pour ce type de production. Les droits sont acquis des productions et diffusions. Pouvons-nous nous attendre à un partenariat formel entre l'UJOCSI et l'OIPI dans les jours à venir? Un partenariat entre l'UJOCSI et l'OIPI serait possible. Pour y travailler, je vous invite à prendre attache avec le directeur général de l'OIPI, M.R. Hassan Paul Kofi, dans les meilleurs délais. Lire aussi Côte d'Ivoire/UJOCSI Investiture du bureau exécutif Abdoulaye Lamine Dembélé Parrain, je suis un passionné de la culture et de tout ce qui s'y rapporte, un dernier mot à l'endroit de vos filleuls, je voudrais vraiment dire merci aux journalistes d'avoir pensé à ma modeste personne, c'est une marque de considération que j'apprécie à sa juste valeur. Sachez que je suis une de vos lectrices assidues et que je serai toujours disponible tant que vous aurez besoin de moi. Je souhaite de tout cœur que l'Union œuvre pour améliorer les conditions de vie et de travail des vaillants journalistes que vous êtes. Pour ma part, je reste disponible. Que Dieu soutienne la nouvelle équipe dans ses missions, je vous remercie.